Avec nous à bas Colli, donc un des artisans de ce match côté Ornanais. Deux buts pour vous et puis une victoire ici 4-0, ça fait certainement du bien. Ornan est en pleine forme en ce moment. Oh, ça va, pour l'instant, oui, ça se passe bien. On est sur deux victoires de suite. Donc, pour l'instant, oui, ça se passe bien. En plus, on commence à être efficace offensivement. Donc, toujours pas de prendre de but, on prend pas de but. Donc, c'est pour l'instant, ça va, quoi, ça se passe bien. Effectivement, c'est ce que depuis le début de saison, c'est un petit peu ce qu'on vous reprochait. Vous étiez toujours solide. Maintenant, par contre, vous commencez à marquer. Ah, effectivement. Ah, effectivement, on nous reprochait ça. Bon, après, il faut dire qu'aussi, depuis le début de saison, offensivement, on était un peu juste. Donc, moi qui revenais de blessure, et puis Franck Perlot aussi, qui nous a en quelque sorte quittés pendant la trêve. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Et puis voilà. Mais bon, après, là, les automatismes commencent à venir. Et ça se passe bien pour l'instant, donc espérons que ça continue. Quoi. Allez, merci à vous. Merci à vous. Allez, avec nous, Pierre-Yves Fèvre, le capitaine Ornanais. Pierre-Yves, une belle victoire ici, 4-0. Ornan, très efficace en ce moment. Oui, c'est vrai que bon, on a marqué pas mal de buts contre Dole en faisant en plus, je pense, un bon match. Et puis, pareil, ça, c'est, tant mieux pour nous, ça s'est reproduit aujourd'hui. On a réussi à marquer relativement rapidement. Donc après, c'est vrai que bon, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus simple par la suite. Hein, donc, de toute façon, c'est ce qui nous a un petit peu manqué sur la première partie de championnat. On était pas trop mal dans le jeu, mais on avait du mal à concrétiser nos actions. Et là, bon, c'est bien, parce que c'est complètement l'inverse. C'est presque pas des vraies occasions de but. Hein, c'est des ballons en profondeur. Ouais, tout à fait. Voilà, on se retrouve face au gardien, donc c'est pas non plus des actions hyper construites. C'est bien, tant mieux, c'est bénéfique pour la suite. Et puis, on savait qu'il y avait beaucoup à jouer avec la journée qui s'est jouée hier. Donc, c'est bien, c'est bon à prendre. Ornan, t'as plein régime, ça y est, c'est parti. Faudra pas trop s'enflammer non plus parce que bon, on a fait nul à Brest-Jura, on n'a pas été exceptionnel pour notre match de reprise. Jura-Dolois, même si dans le jeu on a été fort et le score bon, est un peu flatteur. Je pense qu'il y avait encore des choses à revoir. Et là, il faut quand même rester aussi lucide. On n'a pas non plus fait une super deuxième mi-temps. Certains diront qu'on a essayé de gérer le match, c'est pas non plus totalement vrai. La deuxième, ils nous ont bousculé quand même. Donc c'est là qu'une fois de plus, je dis heureusement que le peu d'occasions qu'on a dans un match à ce niveau-là, il faut les mettre. Parce que si on n'avait pas cette réserve de 4 buts en première mi-temps, ça aurait peut-être pas été si simple en deuxième. Eh bien, merci bien. Ouais. Avec nous, Julien Roux, donc coach de Saint-Vit. Julien, on imagine la déception. Ornan a été très efficace aujourd'hui, puis vous avez certainement manqué de sérénité défensivement. Hein. Ouais, on a manqué à mon avis de beaucoup de choses. Après Ornan a aligné une belle équipe et puis c'est vrai que nous, même si on joue avec nos armes actuellement, bon, c'est vrai qu'on est en pénurie de joueurs, il n'y a pas de profondeur de banc, d'effectif. Mais bon, c'est pas des excuses, mais simplement aujourd'hui ils nous ont été supérieurs, même si on a quand même bien loupé notre entame de match. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui aura manqué à Saint-Vit. Sur la victoire. Qu'est-ce qui aura manqué aujourd'hui à Saint-Vit? Un peu de tout. On a été battu athlétiquement, on a été battu techniquement. Comme j'ai dit, je pense que c'est dur en ce moment. Après, c'est clair qu'on n'est pas au niveau où on était en début de saison. Donc, y a, à mon avis, le niveau général de l'équipe est à revoir. Après, il faut que les mecs s'accrochent. Je sais que c'est pas facile. On n'a pas trop connu ça depuis 2-3 ans, donc c'est peut-être un peu nouveau pour certains. Je veux dire, tout est à prendre hein, malheureusement, mais même les mauvaises expériences, il faut essayer d'en tirer avec du positif. Donc on va se remettre à bosser, on va essayer de retrouver des bases et essayer de récupérer aussi des joueurs parce que c'est vrai que ça devient un peu alarmant actuellement entre les blessés, les suspendus, sans revenir sur ce qui nous arrive un peu actuellement. On est obligé de composer, mais bon, c'est quand même le lot de toutes les équipes. Nous, je pense qu'on est un peu plus durement touché actuellement, mais voilà, il y a 11 mecs sur le terrain avec deux bras, deux jambes, comme je leur dis à chaque fois. Et voilà, aujourd'hui, je pense que sur la première mi-temps, plus de rigueur, plus de niaque nous aurait peut-être évité d'en prendre 3, même si aussi le vent a joué un rôle, mais bon, voilà, quoi. Faut pas attendre d'en prendre 2-3 comme ça, surtout que je pense que ceux-là, on les a donnés, donc voilà. Oui, merci, Julien. Allez, avec nous, Yannick Renou, donc le coach d'Ornan. Yannick, 4-0 ici à Saint-Vit. Et puis, 12 buts en deux matchs. Ornan a trouvé une solidité offensive. Ah, surtout une efficacité. C'est vrai que, bon, défensivement, on a surtout pris 0 buts. Donc, ça, c'est déjà une grosse satisfaction. Et puis, la deuxième, c'est nos entames de match. Voilà, ça fait deux matchs où on monte de l'envie. Bon, déjà, le premier match avant Dole, qui était Brest-Jura, on avait fait un match sérieux. Il ne manquait pas grand-chose pour ramener les 4 points. Maintenant, on est sur une bonne dynamique depuis 3 matchs. Oui.
Donc maintenant que la défaite de Lons hier, Ornan recolle un peu au peloton, vous êtes lancé, le sprint final est lancé pour Ornan. Après, comme j'ai dit, maintenant on ne détient pas grand-chose à partir du moment où si Roche et puis Lons continuent à faire le parcours qu'ils ont fait depuis le début de l'année, bon, il n'y a rien à dire, ils méritent de monter sans problème. Maintenant, on espère qu'il y a un petit fléchissement de ces deux équipes et puis que nous, qu'on soit sur cette bonne dynamique et qu'on puisse finir la saison, je dirais, comme on a pu débuter là, depuis trois matchs. Et puis à ce moment-là, bah, tout sera possible. Merci Yannick.